The purpose of this talk is really not to to go too fast and too deep into science and medicine today, but more to talk about future, talk about differentiation, and talk about challenges ahead of us when it comes to R&D evolution. Taking the example of Roche, the company I've joined a few months ago, as an example of these reflections and this think tank, that I'd like to share some ideas with you. So Roche's first question that I have as a newcomer to this company is, what makes this company so different? And it is indeed different. It is different because, as a front runner, it means staying ahead of the competition. In biotechnology, through Genentech, we have a certain level of commitment to biotechnology, as you can guess. Half of our products are biotherapeutics. But we're also first in oncology, first in the hospital, and first in diagnostics, because we strongly believe that companion diagnostic is a masterpiece of any new product, not only in oncology, but especially in oncology. A company which is focused on research. Those days where pharma companies are revisiting the R&D model, sometimes getting rid of R&D, outsourcing most of its efforts to CROs or providers, it is an interesting question. How does it make that Roche is still ahead of the pack when it comes to innovation, having been around for many years? It's, of course, a matter of power. We spend 20 million euros every day in R&D. It can make a subtle difference. But this is not only it. It's not just a matter of power of money. It is also a matter of organization. It is a unique company in the sense that it has been able to attract in its network companies without killing their spirit of creativity. If you take the example of Genentech, I know very few examples where a big pharma have been able to protect the creativity spirit by acquiring the company. And we have all around us, in the big pharma models, so many examples of big companies smashing out creativity in the company they were purchasing. So this is probably one explanation, but not the only one. Also, the focus of the company is also described here by numbers, talking about new molecular entities, and we will see what kind of entities we're talking about. It is about also figures coming out of patients, because at the end of the day, this is for the patient's care. And this information and this power is also coming into the numbers of patients worldwide that we are treating in clinical trials all over the world. But it's also a question of community. Here, just to show that the thousands of scientists within Roche R&D overall are also closely related to scientists in the pharma communities, whether it be in pharma or in academic research. And here it comes with true partnerships. And for those of you who know my career, I've left a big pharma company at the time where public-private partnerships were prohibited. For me, it was nonsense in this company. And you will guess what names it is. Talking about the pipeline here, you can see that the figure is obviously too small to see the details, but you see the orange bars are representing the new molecular entities that we are pushing ahead into oncology, showing that it's not a company that is, let's say, resting on its success, waiting for new products to be reshaped and so on. It is really a company which is struggling every day to promote innovative products. This is the phase one, this is the phase two, this is the phase three. And you see that the battle in oncology is really engaged. And this is why probably, from an R&D perspective, we also are the number one. And this is the NME new molecular entity submissions that we have in the pipeline for the next years to come. So, in a nutshell, looking at the portfolio from a high-level view, you can see that we are investing a lot in oncology,
but we are investing on specific projects where there is an opportunity to break something into innovation. We are not interested in me too products. We are not interested in generics or whatever. We are interested in things that are changing the patient's care. And the approach is broader than just delivering a product onto the market. And this has led to these 30 years of innovation that you know very well, with a pipeline of product that has been delivering onto the market on a regular basis. Just to take examples of compounds such as small molecules, engineered antibodies with payload antibodies, or antibodies which I was teaching my student in 2005. This is the must-have in terms of antibody, knowing the RBB1, RBB3 interactions because of the gentamicinib failures and so on. And we were trying to really foresee how it goes for that. And I remember the chemist in my former company telling me, oh, this is a nonlinear peptide. This is not doable. Okay. So that's probably some of the reasons, from a personal perspective, I believe this company is different. Also, when it comes to now, in front of us, the ambition is going one step further. It's not just, like I said, delivering compounds onto the market, but also getting into a global medicine approach or contributing to a global medicine approach, which is around a binome of people, the patient for sure. Everybody's talking about the patients today, but also the medical care, the people that are taking care of this patient. So this is about personalized medicine. This is about enriching the value of this interaction. And this is about bringing new data around this interaction so that at the end of the day, we contextualize the information around the patient so that we are able to take better decisions with better drugs. So this is about extending our culture. This is about getting into a broader perspective around the patient and the caretaker, and getting into this body of knowledge that everybody is getting to take or try to get a bite into, which is this big data revolution. So the new paradigms in AF are really getting beyond the single equation when it comes to medication, but also getting into the notion of innovative services and solutions that are far beyond the single drug or the single molecular entity, getting into a system, an ecosystem, where really we are taking into account quality of life, pharmacoeconomics, well-being and support, and getting beyond the cancer treatment, the aftercare step, where we are struggling to accompany the patient beyond the simple care or delivering of drug again. And there is a huge expectations from society. Remember some 15 years ago, where people from patient association groups, especially in rare diseases, were struggling to get interest from pharma industry. Where they were telling, we are a community and we want to have a voice into this system. Nowadays, nobody would think about excluding these communities out of the discussion. And what we want is simply go one step further, not just address them or talk to them to get bits of samples or biospecimens or whatever collections to sequence or do genomics and play with that for publication's sake, but really get into an interaction from A to Z with them so that we can accompany these communities and get recognized as a partner to those communities. And here I'm talking about big data. I'm talking about digital identity from patients. So I'm talking about contextualized information around single body of knowledge that we have around every of us. I'm talking about the new paradigm of personalized medicine where, okay, some years ago, people started really to push the medics back to the bench so that they could do experimental medicine, but also get into the body of knowledge to accept that today we have to revisit the taxonomy of our diseases and redefine them, especially when it comes to neurosciences, for instance. But also getting into a system where we accept
to mine the data that we already have. I know so many examples of biological research programs where people are doing de novo experiments to generate new data without taking into account the existing data sets. This is just a waste of money most of the time. I know so many examples of people are considering patients into one single dimension. Today, putting so much emphasis on DNA sequencing is just making an assumption that we need to ignore the rest that makes a human being. At the end of the day, we know where we're going, just nowhere. What lessons have we taken over the 20 years of genomics, where all of our computers are poured or full of data that nobody has ever been able to use because of the lack of dimensions of medical information around the genomic information? And where are we when it comes to this new medicine paradigm defined by those guys, really getting into the aggregation of information so that we can figure out what is the real dimension of the space where we need to take decisions? So, how to secure therapeutic innovation? Actually, this is the start of my talk. Number one, I believe we need to amplify and pursue the public-private interactions, and I will give you examples. Second, we need to ensure access, equal access, to new molecules or combination therapies to all patients, meaning that we need to accept the challenge of pharmacoeconomics and really revisit or redefine the model, because everybody knows we are in a roadblock here and a cul-de-sac. And then we need also to accept the full transitions to digital, not playing like geeks with computers or phones, really getting into the real thing. So pursue and amplify public-private research partnerships. Again, this is the structure of Roche with early research and development structures with Genentech, Roche, Bal, and Chugai that are leading the research and early development, and then the rest of the company getting into fast-track registration and commercialization. This model is actually a four-valence model where we have also the diagnostic component into it. And the role of our institute and Roche France is really to accelerate this transition between, or this conversation, dialogue between the RETS, or the research and early development structures, and the French biomedical research communities. So we are talking about guichet unique, we're talking about hubs, we're talking about single interface to simplify and accelerate the exchanges of information and business. It is not a new thing. This institute has been there for quite a while and actually represents the forefront of our clinical development capabilities with research and translational medicine, which is the mission of this institute, and also really a strong commitment in France, in R&D in France. So if I stop for 1 second without slides and tell you why I'm still in France, I have two answers. Level one is the quality of our medical research and the quality of our medical care system, because this is probably making the country unique worldwide on the richest of digital information, which is amenable to recomputerization. There's no other country which has 60 million people into CNAM databases, followed up for more than 50 years. And this medical information is so well structured with a unique identifier that we can think now of combining this with the second piece, which is the centers of excellence in translational medicine that with the Grand Emprunt program we have put in place. So this is why Roche and its partners are investing so much in France compared to other countries. Actually, France is the country number one for Genentech investment outside of the US. So a focus on to the institute I'm leading, really to tell you that this is, like I said already, a single point of contact with all the
academic partners, as well as the Roche, which is a complex company for sure, interface. And this single portal is really in charge of this transformation of research into translational medicine paradigms. And again, the numbers of programs that we have had over the past years is pretty significant. I'm going to keep it one. I wanted to insist on one thing, because people, when it comes to translation or translational medicine or translational research or translational whatever, are always confusing people. Usually people are really talking about transition between research and development. This is nice, but this is clinical pharmacology. Nothing else. If you consider that you can source a huge amount of information from market research, from evidence generation providers, from phase 4 follow-up studies and so on, or for phase 3 studies where you have also ancillary studies and so on, this is an incredible translational piece of information which retrofits real-world data into the R&D equation. And third, not the less, also the contacts and the interfaces with the centers of excellence is really pouring in capitalization of biobanks or cohorts or whatever databases that are in the hospitals, which sometimes have been underused, into getting into a translational body of knowledge which is actionable in terms of new medical concept, new medical opportunities, and so on. For me, this cycle is translational medicine. Equal access to new molecules and combination therapies. We all know that personalized medicine in oncology has been there for a while. We're switching from a single treatment to everyone to a personalized treatment where we identify the rationale for a given targeted therapy based on molecular profiling of the patients and so on. That's good. That's level one. That's just thinking that we can reduce a patient to a mutation or a disease to a single pathway, which we know by the nature of redundancy is usually wrong. And therefore, we need to go one step beyond into this personalized medicine in oncology. Of course, at Roche, we have the luxury to have both the diagnostic and the research going hands in hands. Therefore, we can plug in companion or surrogate biomarker discovery early on into the process. And this coupling is essential when it comes to early development and transition into enrichment strategies and so on. But that's not all. It comes also to when it comes to companion diagnostics and marketing approaches, having right away the product and the companion diagnostic, which is essential for the prescription of this product. And for us, really, we are moving into a world where, for instance, value is going to be like in every other industries, in every other businesses, the price is floating. The price is redefined on a regular basis, based on evidence generation, based on data of benefits for the patients, benefits, risk, and so on. And therefore, associations of new treatment, combination therapies, is going to be considered eventually as a new reference compound, pushing away all the old stuff that has been around for many years. For any of you who's treating patients with, let's say, reference protocols or things that are blocked or frozen by nature of regulatory things, we know that we are not handling the proper equation or the right RCP for the patient treatment. So we know that we need to go one step beyond when it comes to mentality, but we know that we need to also to redesign the way we believe in industry we can sell our drugs. Last part is about the digital transformation and putting each cancer patient's care in the context of all. Actually, this is a quote from François Sigaud, the head of ENCA, saying that the vision that we should have is now treating every patient in the context of the body of knowledge that we have around all the patients in France.
So the 350,000 patients that we have every year in the hospital or in the treatment lines or the daily hospital so on, are generating data, which is a crime not to capitalize on, to take care of the new patients coming in. So data is the new currency. This is a big shift. And one slide coming from the internet showing that 23andMe and those newcomers are there. Those people who believe that this is not for tomorrow are wrong. This is for today. And this has started to happen yesterday. So for those of you who do not believe in that, ask yourself whether you are in the right century. This century will be the century of digital data, and everything is going to change. It's already changing extremely rapidly. And those newcomers are not enfants de cœur. They are there to make business. And those who do not understand that will be out of business very soon. Really, considering an individual patient is about silos of data. We know that. The visit or the path of the patient in the hospital is organized around specialist. You have an appointment with a specialist, and 3 months later, you have an appointment with another specialist. And 6 months later, if you're lucky enough, you may have a third or fourth meeting with another specialist. The patient care is completely lost into the system, which has been tailored around specialists. This will be revisited because now we're tracking data around the parkour of the patient. But also when it comes to, when it comes to the biological or medical information around the patient, this data is stored in silos. For those of you, again, who are caring about patients, you know what I'm talking about. It is a nightmare to have into a single computer or disk or file or even a dossier to have all the information gathered and organized in real time. Only the patient today can do that. The patient has to struggle to get his data around him. And this is not delivered as a fully digital service to the patient. So, and it's even worse when it comes to considering also the legacy data, which we could capitalize on around the patient. This is a slide which I borrowed from Les Echos last year, which is showing where the real world and the newcomers, those digital native e-health startups and big techs are getting into when it comes to the new pharma model. We know as of today that R&D is a tiny part of the equation in the pharma. It's 10, 20% at max of the real expenses of the company, meaning that 80 to 90% are on the commercial marketing side. And this is where those digital natives are getting into, because this is the big piece of the cake. And this is where it hurts, transforming clinical data into evidence generation to get a price and get a sustainable market access. So this is where the digital native companies are providing data today. This real world and evidence generation on other things are really here on the orange part of the equation. So my question to you is, where are we with regard to precision medicine here? How would you transform this opportunity you're having all these newcomers around us to get into a better prediction model when it comes to research and development? And today we have a bunch of new startup companies presenting their programs to our board, and that's my question to them. How much did they go into data mining around their specific scientific project to put that in the context of the future? What in 15 years will be the outcome when it comes to market? This data is there, is available. So why don't we use it? Data is just, again, another order of magnitude. Clinical data that we generate are usually in the 10 to the 9 to the 10 to the 12 in terms of bytes, amounts of bytes, usually manageable in a disk, or at least in the server. Of course, this real-world evidence data, this
internet kinds of things is in the yottabytes, so bigger than the number of Avogadro. Bigger than the number of Avogadro. I can say it once more. We are going beyond the possible numbers that we have been used to manipulate in chemistry, in biology, or in life overall. Yotta, octet, yottabytes, and even bigger. And when it comes to the sequencing, omic space, whatever types of genomic or proteomic or metabolomic or whatever omics kind of approaches, now we believe that we are generating something in the 10 to the 18, 15 to the 18, and this number is a million times bigger than what we have in clinical data overall, including imaging capabilities in the clinical data set. So it means that the big hurdle, which is to go from clinical to real, to market, to real world, can be enriched if we are able to pairwise those data sets of patients from the real world with those that are genotyped into our clinical studies. This is a Rosetta Stone that we can use and that nobody is using as of today, or very few. And I'm going to finish with some examples of people that have a visionary approach to the problem, which is already challenged by people belonging to the previous century, I believe. Talking about the one patient trial, where you can imagine through the accumulation of information around the patient and the contextualization of this information to be able to generate a body of knowledge around the patient that is going to be sufficient for therapeutic decisions. This is what we have in ACCESS. This is what we are trying to do in Shiva and other trials today. But also getting into clinical trial design, where every patient is going to be the information source. And the dynamics of change are going to be followed up to modelize what is the risk-benefit for this very patient. This is a US cartoon showing that accessing public data is not that simple in other countries. But with Etalab in France, we believe that we may have soon private or a secured access to this medical information. But like I said, this information is unique when it comes to history or longitudinal analysis. And this is something that I strongly believe is a very good point for France in this competition of data. And my conclusion will be this one. A silo subvert solutions network is really the solution for us, partnerships and those things. And again, hell is the place where nothing connects. Hell is the place where nothing connects. It's not just about light bubbles. And thank you. Merci beaucoup, Monsieur de Neffle. Est-ce qu'il y a une première... On ne va pas prendre énormément de questions, mais est-ce qu'il y a une première question dans la salle? Ou sinon, je la poserai moi-même? Non? Je voulais vous demander, avec ce que vous nous avez présenté, est-ce qu'il ne faut pas voir quelque part la recherche translationnelle comme un nouveau réseau social qui serait adapté à la pharmacie en faisant intervenir un ensemble de partenaires qui sont... la recherche académique, le développement, les patients, les cliniciens, les agences réglementaires, et tout ça se maillant de telle sorte qu'on puisse, à partir d'informations parfois tardives, très souvent précoces, pouvoir faire progresser le médicament ou le schéma de soins. J'ai une demi-heure pour répondre. je pense que... Très modestement, notre rôle, c'est d'être un citoyen, une entreprise citoyenne et partie d'un réseau. Je ne pense pas que notre rôle soit d'être leader dans cette transformation sociétale. Notre rôle est d'accompagner cette transformation et d'être un acteur extrêmement présent et très impliqué à tous les niveaux. Ça implique des choix et des concessions qui seront difficiles de chacun.
Je parlais des partenariats publics-privés. Il y a d'énormes efforts à faire, toujours. Ça fait 30 ans que je suis dans ce business, mais c'est toujours des efforts pour améliorer encore les partenariats publics-privés, faire évoluer les mentalités, les discussions sur l'IP et les formes, c'est récurrent, ça fait 30 ans que ça dure. C'est des choses qui sont très importantes et il faut continuer à améliorer ça. Et ça fait partie de notre rôle citoyen. Mais ce que je voulais dire, c'est que notre rôle citoyen dépasse largement aujourd'hui le cadre de la R&D, de la vente de produits à des schémas de distribution ou autres. C'est vraiment de rentrer le médicament comme un des composants d'un tout dans lequel, en particulier notre société, va jouer un rôle majeur, pas seulement au niveau de, je dirais, de la pharmacologie nationale. Donc ce modèle évolue, ce modèle va se baser sur des réseaux d'intervenants, les digital natives et ces sociétés. Vous voyez très bien les échanges de personnes qui se passent actuellement à la direction de 23andMe et d'autres sociétés. Google X et son éruption dans la santé, les petits logiciels qui se sont implantés de façon obligatoire, systématique, non éteignable sur nos Apple, etc., etc. Toutes ces choses-là sont déjà présentes, sont en train de collecter des informations énormes et c'est un business dans lequel nous ne pouvons pas ne pas être. Voilà. Je vais juste rebondir sur les modèles des réseaux sociaux qui ont, à part la publicité, toujours du mal à se vendre. Là, on voit bien qu'en alignant une médecine plus personnalisée, la collection des données, finalement, on va pouvoir permettre peut-être à plus de patients d'accéder au traitement. Donc, ça rejoint le point que vous avez dit. Et finalement, si j'ai bien compris, c'est on va faire gagner de l'argent au système. Donc, c'est là où il y a de la création de valeur. Mais ce que je comprends, c'est que c'est pas Roche qui va acheter ces innovations. Donc comment on va montrer qu'il y a de la création de valeur et comment on va trouver des personnes pour investir et payer là-dedans? Parce qu'effectivement, au final, on voit très bien qu'on va faire diminuer énormément les coûts de santé si on a un système beaucoup mieux organisé. C'est encore une question très, très globale et difficile de répondre dans sa globalité. Je vais essayer de prendre un ou deux exemples. Je pense que c'est l'INCa qui, l'année dernière, a publié dans ses rapports la valeur du diagnostic en termes d'économie de santé. Et le fait d'avoir un diagnostic moléculaire de nombreux patients à l'inclusion permettait d'éviter de leur donner des traitements inappropriés. Et donc, ça s'est résulté en une économie de santé tout à fait considérable. C'est un premier exemple de monde réel et de vie réelle, comme quoi finalement cette approche de personnalisation porte ses fruits, même si d'aucuns vont critiquer le fait que ça rajoute des kits, des compagnons et des choses qui ne sont pas remboursables. Je pense qu'aujourd'hui, les autorités de santé sont ouvertes, enfin s'ouvrent un peu à cette réflexion et comment maintenant prendre ça dans l'équation. Et pour dire ce que vous disiez sur l'aspect communauté et réseau, il y a des exemples extrêmement clairs de valeur ajoutée pour l'industrie pharma. Je vais prendre un exemple qui n'est pas de chez Roche, mais je pense qu'il y a des collègues de Novartis ici, qui est l'alliance entre Novartis et Walgreens, qui vise à utiliser, maximiser le fichier de patients qui achètent leurs produits de vie dans les pharmacies, et qui permet de monter très vite des plans de recrutement de patients pour des essais cliniques, notamment en neurosciences et en psychiatrie. Donc typiquement un exemple comme quoi la publicité ou d'autres approches sont également extrêmement efficientes en termes d'accès aux patients et de recrutement. On peut aussi prendre les exemples des réseaux sociaux, d'associations de patients sur les maladies rares, qui sont également d'excellents point de contact, d'interface pour les industries dans le domaine du développement de médicaments dans les maladies rares. Bonjour, je suis Sabrina Serpillon de Kiomed. Je reviens un petit peu sur la notion de big data associée au mix. En fait, Kiomed est une jeune société qui a été créée dans le but et dans l'idée qu'un jour le diagnostic n'intégrera pas simplement des omics, mais également des données qui viendraient de la santé connectée. Et donc, on a deux plateformes, une plateforme biomarqueur et une plateforme e-santé. Et une plateforme également IT qui permet d'intégrer tout ça.
La question, c'est est-ce que à Roche, vous avez dans les objectifs de justement développer ce genre de choses, c'est-à-dire un diagnostic qui soit vraiment transversal, intégrant des données qui ne soient pas simplement des données de biomarqueurs au sens traditionnel, mais en intégrant également le biomarqueur dit de e-santé, le e-marqueur, pour en faire quelque chose de plus continu et intégrer une mesure de symptômes du patient sur une période beaucoup plus intégrée. Ok, je n'appellerai pas ça forcément un biomarqueur, mais je comprends, enfin, je crois que je comprends ce que vous dites. Le point, c'est que je l'ai mentionné peut-être un peu trop vite tout à l'heure, au niveau du challenge pharmaco-économique, pour être capable de proposer demain des combinaisons de produits qui sont déjà au taquet des possibilités de remboursement et des capacités financières des organismes de santé, il faut changer de modèle. On ne peut pas continuer ce modèle-là. Et ce modèle va être basé sur l'acquisition progressive, dans un premier temps dans des essais cliniques expérimentaux, de données de qualité de vie, des données de vie réelle, qui vont démontrer une proposition de valeur supérieure à la somme individuelle des traitements antérieurs. Ce qui va conduire, basé encore une fois sur des données de vraie vie, à l'exclusion et l'éviction progressive des médicaments qu'ils ne font pas, pour faire de la place et générer du cash pour pouvoir payer les thérapies qui font quelque chose. Je pense que c'est ce modèle, encore une fois, de valeur économique rationalisée qui va s'appuyer sur des données de vie réelles qui sont extrêmement importantes. Et pour répondre spécifiquement à la question Roche, oui, nous sommes extrêmement intéressés par ces données de vie réelles parce que c'est pour nous le moteur qui va alimenter, on va dire, l'entrée de moyens pour faire de l'innovation et sortir de nouvelles molécules. En fait, on a deux modèles économiques aujourd'hui. Hein, plusieurs personnes s'entendent à dire ça. Il y a quelques sociétés qui peuvent encore s'investir dans ce niveau d'innovation et qui coûte extrêmement cher et aller de l'avant vers ce qui va être la médecine de demain. Et puis il y a les sociétés qui sont rentrées en résistance. Et celles-là, bad luck. Elles vont sortir. C'est une notion d'économie, encore une fois, d'économie de marché. Oui, bonjour, Frédéric Lantier de Buzz sur Bayo. Je vais peut-être être à contre-courant par rapport à tout ça. Je raisonne avec, je dirais, mon petit cerveau et pas autre chose. Et je me demande si, pour avoir vu récemment un documentaire sur tout ce qui est recherche autour du métabolisme, si la recherche sur l'ADN et tout ce qui en a découlé, notamment justement avec les data et les big data et le traitement des data, si on en tout cas par rapport au cancer, si on n'a pas fait fausse route. Attention, hein, je ne suis pas une chercheuse, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais quand on se rend compte que le cancer est un résultat, on se rend compte de plus en plus en recherche d'inflammation. Est-ce qu'on n'a pas oublié de travailler plus en amont, continuer de travailler tout ce qui est métabolisme pour pouvoir trouver éventuellement des médicaments ou des solutions et qui auraient peut-être coûté moins cher que tout ce développement qu'on a actuellement autour de la data. Et je me demande jusqu'à quel point, finalement, l'arrivée des big data, enfin des big pharma, j'arrive pas à retrouver le terme, Facebook, Apple, enfin voilà, tous ces nouveaux acteurs dans la pharma, enfin dans le médicament, dans la santé. Si, je vais pas dire, on n'est pas en train de berner les gens, mais si c'est pas une sorte de Graal où on fait croire que en travaillant toutes ces données, on va arriver à des résultats parce que on se raccroche à du data, justement. C'est un peu comme les mathématiques, ça rassure. Mais est-ce que finalement, en amont, il n'y a pas d'autre chose à travailler sur le résultat du corps à l'environnement, de comment réagit le corps? Je me souviens, moi, des cours de sciences naturelles, quand j'ai fait un bac D,
autour de tout ce qui était homéostasie et toutes ces choses-là, l'équilibre des choses, la manière dont le corps fonctionnait. Et j'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus de ça. C'est-à-dire qu'on va, on va aller dans l'infiniment petit. On va dire l'infiniment petit nous rassure parce qu'on va voir comment fonctionnent les choses dans l'infiniment petit au niveau de la cellule. Et finalement, on va grossir le trait, mais on ne va pas avoir de vision d'ensemble et systémique, finalement, du corps humain et du traitement de la maladie, qui va jusqu'à, justement, alors peut-être qu'on y revient, à l'accompagnement du patient. Quand on sait que le traitement d'une maladie, 50% du traitement, finalement, vient aussi de l'accompagnement, comment le patient est entouré, comment il raisonne et il réagit à sa maladie. Finalement, j'ai l'impression qu'on va vers de la technologie pure, de plus en plus. On se rassure avec ça, on met beaucoup d'argent là-dedans. Je me demande si on ne fait pas... Enfin, c'est pas, quand je dis fausse route, attention, hein, il y a des résultats, on est d'accord. Mais quand on voit les statistiques de traitement du cancer, c'est sur ces 10, 20, 30 dernières années, on a fait des progrès, mais je ne suis pas persuadée qu'on guérisse plus de patients, d'autant plus qu'on dit qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des cancers. Donc ça veut dire qu'en amont... Voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'étais presque d'accord avec vous jusqu'à la fin. Là, je suis obligé de reconnaître que je suis en désaccord avec vous. Sur la dernière partie, si vous regardez les progrès extrêmement significatifs qui ont été faits sur certains cancers, pas tous, sur ces 20, 30, 40 dernières années, c'est incroyable. Je vous invite à visiter le service de pédiatrie de Gustave Roussy, par exemple. Et là, vous aurez peut-être une autre idée. Donc, aux pédiatries. Si je reviens sur un point qui était le tout séquençage, l'ADN, le Graal. Certes, c'est une approche, c'est ce que j'appelle une analyse de premier ordre. Quand un physicien ou un mathématicien apporte un nouveau problème, il fait d'abord une analyse de premier ordre et cherche les variables les plus importantes. Ça ne veut pas dire que ce soit les seules. On sait en génétique humaine que la génétique fondamentale, notre patrimoine, contribue pour, on va dire, sauf dans les cas de mutations dominantes, à moins de 10% de la contribution à l'étiologie de la maladie. Et c'est souvent beaucoup moins que cela. Donc on sait que c'est une partie contributive importante, mais qui peut-être résulte d'un autre phénomène. Probablement l'épigénome et l'environnement et l'agression durant toute la vie du patient conduisent à un moment, par une forme de réaction génétique ultime, à une évolution forcée, sous sélection, qui conduit à des aberrations. Pour répondre à votre question sur l'oncologie médicale et sur l'approche systémique, je vais donner deux exemples. Un de mes confrères endocrinologue médical, dans une société où j'étais auparavant, m'a toujours rappelé que ce qui était intéressant en endocrinologie, c'est qu'on regardait le patient dans son entièreté, les homéostases, et que quand on travaillait sur les tumeurs neuroendocrines, il fallait arrêter de chercher les mutations, parce qu'en fait, les seules mutations driver, c'était des mutations de catastrophe ADN, de réarrangement chromosomique. Et donc derrière, trouver les oncogènes, pas grand-chose. Par contre, c'était des maladies qui évoluait sur des dizaines d'années. Et ce qui était intéressant, c'était probablement la partie négociation du système oncologique avec le système autour, qui était probablement intéressante, notamment dans ces dérèglements hormonaux, en tout cas ces composantes symptomatologiques qu'on pouvait mesurer. Donner un autre exemple, puisque j'ai dit que j'en donnerai deux. Aujourd'hui, ce qui peut être encore une fois excessivement, mais aujourd'hui c'est la tendance lourde, ce qui drive l'évolution en oncologie aujourd'hui, c'est l'immunologie. Et c'est la combinaison, pour la prochaine vague, c'est la combinaison entre les immunothérapies et les thérapies conventionnelles, celles conventionnelles maintenant, ou celles des thérapies ciblées, et ça sera la bonne équation et le bon ratio au bénéfice-risque qui va se trouver. Et là, il est exclu d'avoir une approche purement moléculaire. Faites de l'immunothérapie sur cellules en culture, bof. Donc, ce genre d'approche devient de plus en plus holistique. Et si je vais un cran plus loin sur la prise en compte des données de vie réelle, c'est qu'il existe aujourd'hui des modèles, les premiers modèles mathématiques, qui permettent de passer à un niveau supérieur de complexité, de donner ce que l'on appelle des analyses multi-échelles,
et qui sont largement, mais depuis des années, utilisés dans d'autres disciplines. Pensez à l'astrophysique, pensez à la logique modélisation financière. Ces systèmes existent et ces solutions Big Data Analytics sont là en place depuis longtemps. Et ce n'est pas un hasard si Google reconnaît votre visage ou est capable de modéliser ces choses. Ce n'est pas un hasard si la NASA aujourd'hui est capable, ou l'armée américaine est capable de modéliser complètement une image satellite pour définir la politique d'un drone. C'est parce qu'ils ont développé depuis très longtemps cet algorithmique d'analyse de données complexes pour faire sortir des hypothèses actionnables. En biologie et en médecine, on est au début de cela. Nous allons prendre une dernière question, un petit peu plus courte, s'il vous plaît. Oui, elle sera plus courte. Bonjour, Véronique Brault, je suis directeur de recherche au CNRS et j'ai été d'ailleurs, j'ai un projet qui a été encadré par ma twin. Moi, j'ai une question plus aussi par rapport à mon expérience personnelle. On parle de médecine personnalisée. Et moi, j'ai en face aussi des industriels qui me disent « Votre projet peut être intéressant. Le marché est un peu petit. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça ?» Parce qu'il y a vraiment une contradiction entre les deux. Comme tout, c'est comme l'ADN, le protéome, le métabolome. Il y a des religions partout. Il y a les taoïstes, il y a les appépéoïstes. Enfin, il y a des religions dans tous les domaines. Et vous trouverez toujours des gens qui auront une vérité. Vous trouverez très peu de gens qui ont réussi quelque chose. Et vous trouverez toujours des gens qui ont une opinion. Donc ne désespérez pas, vous trouverez votre chemin. Non, j'essaye. Merci. Nous allons remercier M. Deneff pour cette vision qui nous a un petit peu secoué. Merci encore, M. Deneff.